On va traiter aujourd'hui dans cette séquence la respiration cellulaire. Ça fait partie du programme de troisième année sciences expérimentales. C'est un cours avec vraiment beaucoup de détails. Il faut arriver à faire le lien entre ces différents détails, ces différents mécanismes qui interviennent dans ce processus très important. C'est un processus vital qui maintient vraiment les cellules de l'organisme en vie, donc qui maintient finalement tout le corps en vie. Donc j'ai représenté une cellule de l'organisme. Ce qu'on va expliquer s'applique bien sûr à toutes les cellules du corps. J'ai représenté la circulation sanguine qui va apporter en continu le gaz O2, responsable donc intervenant dans la respiration, et ce fameux glucose. Le glucose, c'est le substrat énergétique préféré de toutes les cellules vivantes. Donc on va parler seulement de la dégradation du glucose au cours de cette respiration cellulaire. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le processus ne commence pas par l'O2. L'O2, vous allez voir, intervient vraiment dans les toutes dernières étapes de la respiration cellulaire. Ça va plutôt commencer par le glucose. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ce glucose va passer de la circulation sanguine au liquide interstitiel, traité dans la séquence concernant le milieu intérieur, ce liquide vital donc, qui entoure toutes les cellules et dans lequel vont se faire les échanges responsables de la survie des cellules. Ce glucose va par la suite pénétrer dans le cytoplasme de la cellule. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le glucose ne va pas rejoindre directement la mitochondrie. Ce n'est pas le nutriment de la mitochondrie. Les mitochondries vont plutôt recevoir un sous-produit de glucose, c'est-à-dire une molécule plus petite. Le glucose, je l'appelle, est une molécule en C6. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans le cytoplasme? Ce glucose va subir une succession de réactions qu'on appelle glycolyse. C'est une étape anaérobie, c'est-à-dire qui se fait indépendamment du gaz O2. Le glucose, par ce processus de glycolyse, va être subdivisé, va être coupé en quelque sorte en deux acides pyruviques. Les acides pyruviques sont des molécules en C3, donc c'est en quelque sorte la moitié d'une molécule de glucose. Ce n'est pas vraiment la moitié d'une molécule de glucose dans le sens où le nombre d'atomes d'hydrogène dans l'acide pyruvique ne sera pas simplement la moitié des 12 hydrogènes de la molécule de glucose, parce qu'au cours de la glycolyse, il y a un processus de déshydrogénation Donc, pour faire très simple, la déshydrogénation, c'est le fait d'arracher des protons H+ aux nutriments en train de subir la dégradation. Ces protons H+ vont par la suite servir à la production d'énergie et ça se fait dans la mitochondrie, mais c'est un détail qui ne fait pas partie vraiment du programme de troisième année sciences expérimentales. Donc, on va se limiter au suivant, la glycolyse, c'est une succession de réactions qui permettent de couper un glucose en deux acides pyruviques. Ces deux acides pyruviques constituent le vrai nutriment reçu par la mitochondrie et ils vont donc, ces acides pyruviques, pénétrer, traverser les deux membranes de la mitochondrie, la membrane externe, la membrane interne, et se retrouver dans la matrice, cette substance fondamentale, cette solution vitale qui se trouve à l'intérieur de la mitochondrie. On va donc désigner ces acides pyruviques par l'acronyme AP. La membrane interne de la mitochondrie est fortement repliée. Ça rappelle un peu les replis qu'on trouve à la surface des organes où on veut augmenter la surface, par exemple dans l'intestin grêle, par exemple au niveau des cellules des néphrons. Ces crêtes vont augmenter la surface interne de la membrane interne, justement de la mitochondrie, et on va voir par la suite que ces crêtes portent des éléments essentiels à cette respiration cellulaire. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc, l'acide pyruvique s'est retrouvé dans la matrice de la mitochondrie. Il va subir encore une étape de dégradation qui va libérer du carbone
des oxygènes provenant tous les deux de l'acide pyruvique. Donc finalement, c'est le gaz CO2 qui sera par la suite rejeté dans la circulation sanguine et on va obtenir une molécule cruciale, très importante, l'acétylcoenzyme A. Je vais par la suite mettre une petite légende pour expliquer ces acronymes que je suis en train d'utiliser. L'acétylcoenzyme A, donc, est une molécule en C2. Son apparition dans la matrice va déclencher un moteur, un vrai moteur, une turbine qui va produire de l'énergie dans la mitochondrie, découverte par un scientifique, Monsieur Krebs, et ce qui lui a valu un prix Nobel déjà. Donc, qu'est-ce que ce cycle de Krebs? Donc, cycle, ça donne l'impression d'éléments, d'événements qui se répètent. Et dans le point initial, c'est le point final. Donc, ça va recommencer indéfiniment tant que la mitochondrie reçoit cette acétylcoenzyme A. Et bien sûr, par la suite, on va voir. Donc, elle reçoit aussi du gaz O2. C'est une succession de sept réactions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7, donc cette réaction qu'on appelle le cycle de Krebs. On ne rentre pas vraiment dans les détails de ce cycle de Krebs dans le programme de troisième année sciences expérimentales, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce cycle de Krebs va dégager trois éléments essentiels. Dans certaines des étapes de ce cycle, il va y avoir production d'autres molécules de CO2, et c'est ce qu'on appelle les réactions de décarboxylation. Donc, c'est l'équivalent de déshydrogéner, c'est-à-dire enlever les atomes H+, les atomes H du nutriment. La décarboxylation consiste à enlever des atomes carbone du nutriment, donc au cours de ces étapes du cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs va aussi libérer des protons H+. Ça veut dire qu'on revient encore à des déshydrogénations et surtout ce cycle de Krebs va libérer ce que finalement la cellule recherche par tout ce processus complexe, ça va libérer de l'énergie chimique. Et c'est finalement l'objectif final de cette respiration cellulaire, c'est dégrader les nutriments et produire de l'énergie. Par la suite, on va revenir à cette énergie, mais pour l'instant, on va suivre le devenir des protons H+ libérés par le cycle de Krebs. Ces protons H+ ne vont pas rester à l'état libre dans la matrice mitochondriale, mais vont être captés par des enzymes qu'on appelle les transporteurs d'hydrogène. Donc ces protons H+ seront captés par une succession de transporteurs qui vont s'échanger ces protons accompagnés bien sûr d'électrons tout le long d'un enchaînement de réactions qui se font dans les crêtes mitochondriales et qu'on appelle la chaîne respiratoire. Pour faire très simple, c'est comme si c'était une succession d'individus placés les uns après les autres qui vont se remettre les uns aux autres les protons H+ et les électrons et qui attend à la fin de cette chaîne justement l'accepteur final de ces électrons et de ces protons H+, c'est le gaz O2 qui est passé aussi par le liquide interstitiel et qui attend en quelque sorte à la fin de cette chaîne respiratoire. Qu'est-ce qui va arriver donc? Il va y avoir combinaison de l'O2 respiratoire avec les protons H+, donc transportés le long de cette chaîne respiratoire, et des électrons qui ont accompagné les protons H+. Et qu'est-ce que ça forme? Donc H et O, ça donne le deuxième déchet de la respiration cellulaire, à savoir le H2O. Je répète donc, le cycle de Krebs, ce sont des étapes de décarboxylation et de déshydrogénation de l'acétylcoenzyme A qui s'est combinée à une autre molécule en C4 qui se trouve naturellement dans la matrice. Les décarboxylations vont libérer des CO2, les déshydrogénations vont libérer des électrons et des protons H+, qui seront acheminés par des transporteurs d'électrons et de protons jusqu'à un accepteur final d'électrons et de protons, c'est le gaz O2 et ça forme donc H2O. H2O et CO2 seront rejetés
par la cellule dans le liquide interstitiel et seront finalement reçus par la circulation sanguine. Et ainsi, on comprend la réaction bilan qu'on écrit pour cette respiration. Donc, O2 plus glucose, ça donne du CO2, du H2O et de l'énergie. Revenons donc à cette fameuse énergie. Une remarque importante, la chaîne respiratoire a aussi produit beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va arriver à cette énergie? On arrive à ces fameux éléments qui sont attachés à la membrane de la crête mitochondriale. C'est une enzyme cruciale chez tous les êtres vivants. C'est l'ATP synthase. Donc, c'est en réalité un complexe enzymatique. C'est une protéine très importante dans le monde vivant. Que fait cette ATP synthase? Elle va stocker une partie de l'énergie provenant du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire dans des molécules de réserve énergétique qu'on appelle l'adénosine triphosphate ATP. Donc, comment va se faire cette production d'ATP? Dans la matrice mitochondriale, très proche de ces ATP synthase, il y a de l'adénosine diphosphate, ADP, des ions phosphate inorganiques, PI. Donc, que va faire cette ATP synthase? Elle va combiner le tout, donc l'énergie chimique, les phosphates inorganiques et les molécules d'ADP, et ça va donner naissance à cette fameuse molécule de réserve énergétique, ATP. C'est un peu la batterie de la cellule, ce sont les piles chimiques de la cellule. Donc cet ATP va permettre de stocker une partie de l'énergie provenant de la respiration cellulaire. Pourquoi je dis une partie? Parce qu'une partie, comme dans tous les systèmes, que ce soit biologique ou bien fabriqué par l'homme, une partie de l'énergie sera dissipée sous forme de chaleur et ça va donner donc la chaleur responsable de la thermorégulation, c'est-à-dire du maintien d'une température constante dans l'organisme. On ne va pas s'intéresser bien sûr à cette chaleur, ça ne fait pas partie du cours, mais plutôt on va parler de cette molécule d'ATP donc qui a stocké l'énergie de la cellule. Que va faire la cellule de cette molécule d'ATP? Les autres parties de la cellule consomment toujours de l'énergie pour réaliser leurs activités quotidiennes. Je vais prendre un exemple, le réticulum endoplasmique rugueux, avec ses ribosomes sous forme de grains à la surface et qui lui donnent justement cet aspect rugueux. C'est déjà étudié dans le thème génétique pour les troisièmes licences expérimentales et même d'ailleurs. Ce réticulum endoplasmique rugueux, grâce à ses ribosomes, est responsable de la synthèse protéique. La synthèse protéique est très consommatrice d'énergie et justement, ça consomme de l'énergie sous forme de molécules d'ATP. Donc l'ATP sera exporté par les mitochondries vers les autres organites de la cellule qui en ont besoin, qui ont besoin de l'énergie stockée dans cet ATP. Donc on considère que l'ATP stocke l'énergie, transporte l'énergie et fournit l'énergie aux organites qui en ont besoin. On retrouve dans ces organites et d'ailleurs dans toutes les parties de la cellule l'enzyme opposée à l'ATP synthase, en quelque sorte, elle va faire l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va extraire l'énergie qui se trouve dans l'ATP. Elle va libérer à nouveau de l'adénosine diphosphate et des phosphates inorganiques qui seront importés par la mitochondrie pour à nouveau synthétiser des molécules d'ATP. Comment appelle-t-on cette nouvelle enzyme? C'est l'enzyme ATPase ou bien ATPase, comme vous voulez. Donc cette enzyme ATPase va découper la molécule d'ATP. Ça va libérer de l'ADP, du phosphate inorganique, et ça libère bien sûr de l'énergie. C'est la même énergie finalement qui a été stockée dans la mitochondrie. Ça, c'est l'énergie provenant de la respiration, et ça, c'est l'énergie de l'activité, du fonctionnement de la cellule. Donc, ça va être dissipé, ça va disparaître, et la cellule va fonctionner grâce à cette énergie. ADP et PI donc, vont rapidement revenir à la mitochondrie et voilà un nouveau cycle qui apparaît
un cycle avec deux réactions opposées, la synthèse de l'ATP grâce à l'ATP synthase dans la mitochondrie et l'hydrolyse de l'ATP grâce à l'ATPase au niveau de toutes les autres parties de la cellule. Et donc, ça va se répéter de manière incessante tant que la cellule reçoit son glucose et reçoit son gaz O2. Je vais donc mettre une petite légende pour expliquer les acronymes, les lettres que j'ai utilisées dans ce schéma. Donc, glucose, désigné par la lettre G. AP, c'est l'acide pyruvique. Acétylcoenzyme A. ATP, c'est l'adénosine. Triphosphate, ADP, c'est l'adénosine. Diphosphate et TI, bien sûr, c'est le phosphate inorganique liant PO4-3-. Et voilà donc ce qu'on peut dire de façon vraiment très simplifiée de cette respiration cellulaire.